C'est un miracle dans l'histoire de la construction routière. En 30 ans, la Chine a multiplié par 5 la longueur totale de ses routes et construit le plus vaste réseau autoroutier du monde. Les chemins de fer parcourent plus de 120 000 km, dont 20 000 km de lignes à grande vitesse, qui, partis de zéro, ont été bâtis en 8 ans, soit 60% de la longueur totale de lignes à grande vitesse du monde. Ici, les constructions de tunnels et de ponts sont les plus nombreuses et les plus compliquées sur Terre. Plus de 20 000 tunnels et 1 million de ponts ont rendu possible le passage de toutes les barrières naturelles. aéroports, avec plus de 3,5 millions de vols, constituent le deuxième plus grand réseau aérien du monde. Sur les 32 000 km de lignes côtières, se trouvent 7 des 10 plus grands ports internationaux. Ces réseaux immenses et pratiques donnent à la Chine un dynamisme constant. À première vue, ériger ces réseaux était une mission quasiment impossible. Mais les Chinois ont créé de leurs propres mains un miracle. Le bord sud des monts Taïran est le lieu où se heurtent les plaques indiennes et euro-asiatiques. Sur les falaises abruptes, une route d'espoir s'effrayait. Siago, un petit village de moins de 300 habitants, situé au fond des monts Taïran, est isolé du monde extérieur. Les villageois se sont résolus à déployer tous leurs efforts pour construire une route sur la falaise, même s'ils ne disposaient que de marteaux et de bêches. À l'époque, des centaines de millions de Chinois partageaient avec eux le même rêve. On désirait se connecter avec le monde extérieur et mener une vie riche. Pour eux, les routes étaient essentielles pour changer leur destin. Voici la carte de la Chine, sur laquelle se dispersent 660 000 points lumineux, qui représentent chacun une unité administrative de base. L'ambition de la Chine est de construire des routes qui desserviront même les villages les plus reculés. Moins de 30 ans après la mise en service de sa première autoroute en 1988, la Chine possède aujourd'hui 120 000 km d'autoroute, dépassant le Canada et les États-Unis comme le réseau autoroutier le plus long du monde. Aujourd'hui, le réseau autoroutier de la Chine a déjà pris sa forme générale. Pour les ingénieurs, leur prochain travail consiste à conquérir les régions les plus reculées et difficiles. Wenzhou, ville de 800 000 habitants, composée de personnes déplacées. Les habitants gardent toujours leur habitude de vie au bord de l'eau. Wenzhou se situe au centre des Trois Gorges, tout près du fleuve Yangtze. Depuis longtemps, le transport routier de cette région est beaucoup plus difficile que les régions de l'Est, tandis que le transport fluvial manque d'efficacité. Mais bientôt,
cette situation va changer. Le pont de Fuma est un projet majeur de l'autoroute Wanzhou-Lichuan, qui, en reliant Wanzhou et Lichuan au Roubaix, intégrera cette région montagneuse dans le réseau autoroutier chinois. Avec une travée principale de 1050 mètres, le pont traverse le fleuve sans avoir de piliers dans l'eau, ce qui permet de protéger au mieux l'environnement de la zone des Trois Gorges. Pour soutenir le pont d'environ 20 000 tonnes, quasiment aussi lourd que trois tours Eiffel, à 100 mètres au-dessus de l'eau, les deux câbles porteurs jouent un rôle essentiel. Ils ne seront pas remplacés dans le futur. Or, le pont est supposé servir pendant 100 ans. Ainsi, l'installation du premier toron est cruciale pour la sécurité du pont. Sur la passerelle, à 100 mètres au-dessus de l'eau, les ouvriers installent le dernier portique comme point d'appui de la traction des câbles. Cette passerelle dans l'air, construite de fils de fer et de bois, est la seule plateforme d'opération des ouvriers. Sur la rive sud, dans la salle, en forme de tunnel, les ouvriers sont en train de construire le système d'ancrage sur lequel seront fixés les câbles porteurs. Voilà, pour assurer la sécurité du pont. Maintenant, tout est prêt. Deux treuils à câble de 25 tonnes remorquent lentement l'ancre et le câble, entraînant une violente secousse. Les ouvriers doivent modifier tout le temps la vitesse des treuils, afin que le câble puisse avancer sur les poulies de manière stable. Il ne faut pas aller trop vite, sinon le câble de remorquage risque de casser. Le vent violent sur le fleuve complique davantage le travail. Les ouvriers observent attentivement le fil rouge standard. Sa moindre torsion pourrait énormément diminuer l'endurance du câble porteur. Remorqué par le dispositif de traction, l'ancre passe les deux pylônes à une vitesse régulière. Après un millier de mètres, tout est attaché au massif d'ancrage sur l'autre rive. Ensuite, les ouvriers vont faire passer de la même manière les 215 autres torons qui seront empaquetés en deux câbles pour soutenir le poids du pont. Quand on construit une autoroute dans les montagnes, l'altitude constitue le plus grand défi. Il y a 1407 piliers sur seulement 94 km, dont le plus haut dépasse un bâtiment de 40 étages. Dans l'ouest de la Chine, les conditions géographiques sont très difficiles et compliquées à cause des hautes montagnes et des vallées profondes. Les concepteurs ont dû chercher l'itinéraire approprié le long des fleuves et au pied des montagnes. Les routes sinueuses manque d'efficacité et pollue l'environnement. Des courbes trop aiguës sont des cauchemars pour les conducteurs. Mais désormais, les ingénieurs chinois sont capables de rectifier les routes en construisant des tunnels dans les montagnes et des ponts sur les fleuves.
L'autoroute Yan Xichang, partie du bord du bassin du Sichuan, doit traverser les monts Hangduan, une barrière naturelle de plus de 3000 mètres de haut. Avant, il fallait conduire 10 heures pour faire un voyage de 300 km. Maintenant, les ingénieurs décident de construire une route toute droite dans la montagne. Or, un problème se pose. Mètres d'écart d'altitude en 4 km signifie une inclinaison moyenne de 9%, constituant pour les poids lourds chargés un véritable danger. Les concepteurs ont dû se creuser la tête pour diminuer l'inclinaison de 70%. L'autoroute Yan Xichang est devenue la voie principale du sud-ouest de la Chine, grâce à laquelle la durée du voyage diminue de 50%. En moins de 30 ans, le réseau autoroutier chinois s'est rapidement développé. Émanant de Beijing, la capitale, ce réseau, avec ses 29 autoroutes principales entrecroisées et de nombreuses lignes interrégionales, dessert toutes les villes de plus de 200 000 habitants. Or, à l'intérieur des villes, il est apparu de nouveaux problèmes de transport. Dans les années 80, la Chine est mondialement connue pour un moyen de transport particulier. À l'époque, le pays était considéré comme le royaume des bicyclettes. Pour deux personnes, il y avait un vélo. Les gens n'imaginaient pas qu'un changement prodigieux aurait lieu. Chaque jour, Liu Bo part de son bureau sous le pont routier pour les différents chantiers de Beijing. Beijing, capitale de la Chine, une ville immense avec une population de 21 millions d'habitants et qui possède 5,6 millions de véhicules. S'ils se garent tous ensemble, ils peuvent couvrir la surface entière du centre-ville. Pour faciliter les déplacements, 6 grands périphériques, 7000 km de routes urbaines, 1200 lignes de bus et 18 lignes de métro ont été construits. Malgré cela, les routes restent toujours encombrées et la charge de l'entretien des équipements est assez lourde. Le pont routier Sanyuan, situé au 3e périphérique de Beijing, voit passer 13 000 véhicules par heure en période de pointe. Longtemps en surcharge, le tablier du pont a besoin d'être changé. Mais 2 mois de travaux en bloquant la route poserait de gros problèmes. Les ingénieurs doivent rénover le pont sans perdre de temps. Pour cela, ils vont utiliser une méthode géniale. Le 13 novembre 2015, à 23h, le projet est démarré. En moins de 6 heures, l'ancien tablier de 1600 tonnes a été enlevé et est totalement déblayé 24 heures plus tard. 2 véhicules portant le nouveau tablier avancent à une vitesse de 1 mètre par minute. ...70 minutes après, le nouveau tablier est mis en place. On passe ensuite à l'asphaltage. Le 15, à 18h,
le trafic reprend. Ces 43 heures de miracle résultent d'une préparation de 150 jours et nuits. Le lundi, quand les gens sont retournés au travail, ils n'ont même pas constaté que c'était un nouveau pont. Le développement urbain rapide aggrave le trafic routier. Les surfaces terrestres limitées ont obligé 31 villes chinoises à déplacer le trafic sous le sol. Or, dans certaines villes, le réseau d'eau a compliqué les projets. Au bord du fleuve Yangtze, un géant de 575 tonnes et d'une hauteur équivalente à un bâtiment de 5 étages attend d'être installé. Wuhan est la plaque tournante du transport du centre de la Chine. Le fleuve Yangtze et le fleuve Hanjiang se rencontrent ici, divisant la ville en trois bourgs. Or, maintenant, la vaste étendue d'eau tend à entraver le trafic. Pour atténuer la pression du trafic, Wuhan va construire 19 ponts sur le fleuve Yangtze. Or, une telle densité risque de nuire au transport fluvial. Les concepteurs décident de trouver de nouvelles solutions afin de maximiser la capacité des routes. Un tunnel, à l'usage à la fois des véhicules et des trains, est entré dans leur projet. Ce tunnel aura un diamètre de 15,2 mètres. Sur le dessus, il y aura une route à 6 voies, tandis qu'au-dessous, il s'agira d'une ligne de métro. Le tunnelier sera utilisé dans la construction. Maintenant, les ouvriers vont installer en une seule fois la roue de coupe. En quelque sorte, les dents du tunnelier dans le puits de travail d'une profondeur de 44 mètres. Ce colosse d'acier est extrêmement lourd. Dans le puits, les ouvriers sont aussi très attentifs. Le moteur principal, la pièce la plus sophistiquée et la plus onéreuse du tunnelier, est déjà en place. Les ouvriers construisent l'échafaudage pour joindre les deux pièces. Après 4 heures de préparation, on procède enfin à l'installation de la roue de coupe. Deux grues sur chenilles sont utilisées pour accomplir cette mission. Les ouvriers doivent d'abord lever la roue de coupe de manière horizontale, puis la déplacer à une position verticale. Cela semble facile, mais quand il s'agit d'un objet colossal comme celui-ci, il faut faire attention à chaque étape et le travail peut durer plusieurs heures. Avec l'aide de cette grue capable de lever 750 tonnes, l'énorme roue de coupe est mis doucement dans le puits. À 22 heures, la roue de coupe, enfin, est mise en place avec succès. Aujourd'hui, le tunnelier est largement utilisé par les ingénieurs chinois. Mais ceux-ci ont encore de plus grandes ambitions. Au même moment, dans l'est de la Chine, dans cette usine fondée depuis seulement 5 ans, les ouvriers sont en train de nettoyer deux vieilles machines enrouillées. Ces deux moteurs principaux font partie de deux tunneliers de 15 mètres de diamètre, fabriqués par les Chinois eux-mêmes pour la construction du tunnel de la route Weishan de Nanjing. Le tunnelier est un équipement de production haut de gamme qui implique des techniques multidisciplinaires avec des pièces extrêmement nombreuses et compliquées. Dans ce domaine, la Chine a été très en retard par rapport au reste du monde. En 1958, dans les régions montagneuses du sud-ouest, les Chinois ont commencé à construire le chemin de fer Chengdu-Kunming. Ce fut le premier projet de construction mécanisé du pays, presque 90 ans après que des projets similaires aient vu le jour en Occident.
Dès lors, les Chinois, partis de zéro, continuèrent de développer leur production d'équipements haut de gamme. 50 ans plus tard, la Chine a déjà des capacités de production considérables. Or, la fabrication de tunneliers à grand diamètre est toujours monopolisée par quelques rares usines au monde. L'ingénieur en chef du tunnel de la route Weishan de Nanjing, Zhang Boyan, se souvient parfaitement de la situation à l'époque. Une nouvelle usine a été ainsi fondée. Les Chinois ont commencé à développer leur propre tunnelier de grande taille. Réalisé en 2 ans, le développement du tunnelier Tianhe-1 a coûté moins de 500 millions de yuan. Le 2 juillet 2015, après un millier de jours et de nuits de travail, le tunnelier Tianhe-1, qui mesure 130 mètres de long et pèse 4758 tonnes, est sorti du bout sud du tunnel de la route Weishan. Tous les efforts et peines furent ainsi récompensés. Des histoires similaires se racontent partout en Chine. Le système de transport favorise le développement du pays. Et l'économie demande une amélioration continue des routes. Souvent, l'effet de cette interaction dépasse la prévision des gens. Dans certaines villes, l'extension du transport devient un problème urgent. À 1500 km au sud, voici la rivière des Perles, le deuxième plus grand système fluvial de Chine. À son delta, c'est l'aire urbaine la plus prospère du pays. C'est aussi la région essentielle du commerce extérieur, où sont rassemblées de nombreuses industries constituant un centre de fabrication mondiale. Pour cela, le réseau d'autoroutes le plus dense de Chine a été construit sur le delta de la rivière des Perles. Mais cela ne suffit pas. Le pont Humen, la seule voie est-ouest au-dessus de la rivière des Perles, soutient le développement économique rapide des deux rives. Or, seulement 20 ans après sa mise en service, ce pont est déjà surchargé. Un nouveau pont est-ouest est désiré depuis presque 10 ans. Le deuxième pont Humen doit être construit sans retard. Pour traverser l'estuaire de la rivière des Perles, il faut construire parallèlement 2 ponts suspendus à travers de plus de 1000 mètres. C'est un défi sans précédent. Le pylône principal est haut de 260 mètres, équivalent à un bâtiment de 90 étages. Une fois achevé, ce sera le plus grand pylône de pont suspendu de Chine. De plus, il faut aussi construire 10 km d'approche du pont et 2 échangeurs, ce qui multiplie les difficultés des travaux par rapport aux ponts normaux. Les ouvriers doivent travailler avec la plus grande attention afin d'assurer une construction rapide et sécurisée. Pour construire les 8 pylônes géants sans tarder, les ingénieurs utilisent le système d'escalade hydraulique. Il permet à la plateforme de travaux au sommet du pylône de s'élever automatiquement à mesure que la construction avance. Quatre heures plus tard, la plateforme atteint sa nouvelle position. De l'autre côté, sur l'île centrale reliant les deux ponts,
une cinquantaine de types de poutres sont en train d'être moulées. Plus de 3500 sections de poutres seront fabriquées et assemblées ici, dont la plus grande est aussi lourde que 120 voitures. Les 5 lignes de production fabriquent 7 sections de poutres par jour. Et cela doit être normalisé et informatisé pour que tout le travail soit accompli d'ici 3 ans. Il faudra 5 ans pour achever la construction du pont. Or, toute étape est mesurée par heure. Les ingénieurs cherchent toutes les solutions pour mettre en service le pont au plus vite, afin de faciliter le transport entre les deux rives de la rivière des Perles. L'immense réseau routier relie tout le pays. Actuellement, la Chine possède le deuxième plus grand nombre de véhicules du monde, soit 310 fois le chiffre de 1990. Mais ce n'est pas tout à fait une bonne chose. Devant les problèmes de haute consommation énergétique, d'embouteillage et de pollution, les Chinois ont cherché d'autres solutions efficaces pour transporter les hommes et les marchandises. Le chemin de fer fut la meilleure réponse. Un réseau ferroviaire de 120 000 km a été construit, représentant 7% du kilométrage opérationnel mondial et transporte 25% de fret ferroviaire. Il est d'autant plus avantageux pour le transport des marchandises en large quantité. À 100 km au nord de Beijing, se trouve une grande courbe S sur un chemin de fer pour transport lourd qui fonctionne depuis déjà 23 ans. Chaque jour, des trains chargés de charbon passent par ici. Ils sont en provenance de Datong, au Shanxi, capitale du charbon en Chine.